Thank <music> you. Ah, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Ah, j'étais dans mon truc là. Ah, je pense qu'il vous manque un tout petit peu de contexte. Qui ici sait ce que c'est API Platform ah, ça c'est chouette, ça va me faire gagner un peu de temps. Je me présente, je m'appelle Antoine Blucher, vous pouvez me retrouver sous le pseudonyme de Seuka sur Internet. Je suis directeur technique chez l'ETIAL. Alors, l'ETIEL, c'est un peu différent d'une société classique, on est une société coopérative. Ce que ça veut dire principalement, c'est qu'il y a plus de 51% des salariés qui sont aussi associés. Donc, on gère la société ensemble, chez nous, c'est 100%. Tout le monde est salarié associé. Je suis aujourd'hui le Release Manager d'API Platform, donc c'est la personne qui va euh, taguer la nouvelle version, qui va faire que toutes vos API euh, cassent. Euh, on a vu la conférence de Smine avant, mettez des alertes. Et je suis développeur depuis un petit moment. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux que vous avez en bas de l'écran. Alors, petit rappel, API Platform, la promesse, c'est quoi C'est de pouvoir démarrer une API en quelques minutes, littéralement. Il y a peu de concepts pour les débutants, on essaye d'avoir des choses qui sont accessibles. En plus de ça, ça supporte les standards du web les plus importants autour des API REST et Hypermedia, on va en reparler tout à l'heure. Et c'est extensible, comme on l'a dit au début, c'est basé sur des composants de Symfony. API Platform, quand vous commencez, l'idée, c'est quelque chose comme ça. On a une classe PHP, ici un livre, et on va y apposer un attribut PHP 8, API Ressources. On va même plus loin, avec API Platform, ce qu'on propose, c'est une intégration de doctrine. Donc si vous avez doctrine, vous avez automatiquement un système de persistance qui est branché. Et avec l'API Ressources, à poser sur une entité, vous avez tout qui marche d'emblée. Vous vous retrouvez avec une API REST, qui, avec ces routes qui sont déclarées dans votre système, qui vous permettent de récupérer une collection de livres, de créer un nouveau livre, de supprimer, de mettre à jour, et ainsi de suite. J'ai peut-être oublié de vous parler de la Ravel aussi en fait. Oh, je suis désolé, c'est vendredi, je ne sais pas ce qui m'arrive. Qui ici a déjà utilisé la Ravel Alors, je vous... pas juste euh, j'ai testé la Ravel et puis voilà, j'ai vu ce que c'était. Non, qui a utilisé la Ravel et mis en production un projet avec la Ravel Ah, ça fait plaisir à voir. Alors, pour. je vais vous montrer maintenant comment fonctionne API Platform avec la Ravel. Première étape on require le composant API Platform Laravel, ce qui va venir euh, nous installer ce dont je vais vous parlais tout à l'heure. Vous voyez qu'une fois qu'on a installé le composant, à la fin, on va venir copier les fichiers de configuration requis et aussi un dossier public dans les assets. Suite à ça, on va faire un petit peu de Laravel ici. Je vais utiliser le maker de Laravel pour créer un nouveau modèle. Ici, un modèle de livre. Je vais générer une factory et une migration. On va voir à quoi ça sert. Donc la factory, il y a déjà un faker qui est disponible, qui va me permettre de mettre de la fausse donnée dedans. Donc là, je vais dire que j'ai un titre qui est euh, un nom, voilà, pourquoi pas. Ensuite, je vais aller dans ma migration. Ici, je vais lui rajouter la colonne que je viens de mentionner. Une fois que ça c'est fait, je vais aussi aller dans le database Seeder. Donc ça, quand je vais ensuite euh, Créer ma migration, je vais pouvoir rajouter des données. Là j'ai décidé de rajouter 10 livres pour vous montrer un peu comment ça marche. Quand j'ai fait ça, je peux utiliser PHP artisan migrate-seed et il va automatiquement créer ma base de données en utilisant la factory et rajouter des données. Maintenant, là j'aimerais bien apposer mon attribut API ressources sur le modèle, comme j'ai fait tout à l'heure, comme je vous ai montré tout à l'heure. Sauf que dans la Ravel, il y a aussi une gestion d'erreur, et là, on va devoir aussi implémenter quelque chose. Le composant Laravel d'API Platform vous propose un exception handler. C'est une classe qui va automatiquement gérer les exceptions pour vous et vous les afficher au format JSON ou dans le format qui est demandé. Alors ici, j'étends ce service qui est proposé par API Platform. Peut-être que dans le futur, on va faire plutôt un trait, ça reste à réfléchir. Une fois que ça s'est branché, j'ai une dernière étape. Je vais aller ouvrir le modèle Eloquent et je vais apposer mon API ressources dessus. Ceci devrait avoir comme conséquence de vous proposer une API REST hypermédia, toute fonctionnelle. Vous êtes prêts Ici, on voit du coup, une Swagger UI qui est branché sur la Ravel. Là, je vous ai affiché la collection de livres. Donc vous voyez qu'on a euh, les, le fameux JSON Linked Data qu'on met vachement en avant avec API Platform qui est disponible. On a bien entendu la possibilité d'utiliser toutes les routes. Donc euh, euh, ici, je vais créer un nouveau livre qui est un petit peu plus dans la tendance de nos jours. Et bien entendu, je peux aussi aller, par exemple, supprimer le livre. Ici, je vais réutiliser le dernier identifiant. Je vais avoir un code 204 qui correspond bien à la suppression. Si je réexécute, le livre n'existe plus, je devrais avoir une 404. Et là, vous voyez que le résultat est aussi formaté en JSON. Donc ce qu'on attend euh, d'API Platform quand il a une exception. On ne veut pas du HTML euh, comme c'est le cas de BAT. Alors là, je suis comme Bird, excellent. Euh, tout fonctionne. Sauf que vous êtes venu pour voir aussi comment est-ce qu'on a fait pour faire en sorte que API Platform et Laravel soient compatibles. J'ai un petit jeu pour vous. Lequel de ces frameworks est le plus ancien Pour ceux qui ne connaissent pas Code c'est un, un fork de Ruby and Rails en PHP, on peut dire ça. Je n'ai pas mis end, ça aurait été trop facile. Alors, qu'est-ce que vous en pensez Symfony Qui dit Symfony Qui dit Laravel CakePHP Ah ouais, quand même Pourtant, c'est à quelques mois d'écart que CakePHP est sorti avant Symfony. Alors, pourquoi je vous parle de ça Parce que moi, la première fois que j'ai utilisé la Ravel, c'était il y a 10 ans, quand je comparais la Ravel et CakePHP pour faire un, un projet de blog. Voilà, pourquoi pas, on en a tous fait un quand on a commencé. Et du coup, quand je pense à la Ravel, je pense à. Je me suis fait un petit mind mapping de ce à quoi je pense. Je pense aux façades. Je pense aussi au contrôleur. Je vois que dans la documentation de la Ravel, on propose beaucoup de créer une route, créer un contrôleur, etc. On a des sucres syntaxiques. J'ai l'impression que, des fois, c'est ce qu'on entend. Oui, il y a beaucoup de sucres syntaxiques dans la Ravel. On a, du coup, des méthodes statiques et, bien entendu, l'ORM et le Un petit tour sur les façades. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un moyen statique d'accéder à un service. Ce qui est intéressant, c'est que dans la documentation, il y a écrit qu'il euh, faut faire attention en utilisant les façades, parce qu'on peut vite en avoir trop de services qui sont utilisés au sein d'une classe, et que c'est forcément pas forcément bien. On recommande d'ailleurs dans la documentation d'utiliser le système d'injection de dépendance plutôt que euh, d'utiliser des façades. J'ai remarqué, enfin j'ai aussi observé que dans la Ravel, vous avez une injection de dépendance comme dans Symfony, vous avez un genre d'auto-wiring, si dans votre constructeur vous avez les bonnes interfaces, il va automatiquement vous mettre les bons services dedans, ce qui est très pratique. Concernant euh, les LPR, donc ces sucres syntaxiques, vous en avez plein plein, moi j'en ai utilisé quelques-uns, hein. j'ai utilisé config notamment euh, le AppPass. Je... enfin voilà, donc ça c'est assez pratique, on aime ou on n'aime pas. Mais la Ravel c'est aussi toute une série de d'outils dans l'écosystème qui sont très très utilisés, donc, par exemple Forge pour euh, gérer euh, euh, ces serveurs, on va avoir euh, des outils qui sont plutôt euh, côté client, qui vont vous générer du code. On a toute une sorte d'outils autour de Laravel qui forment un écosystème très très riche. Ça, c'est que les outils euh, officiels, mais il y a aussi plein plein d'outils de la, de la communauté Laravel derrière. Et dans Laravel, on retrouve aussi des... Euh, des moyens de faire des, ce qu'ils appellent des ressources. Donc là, par exemple, vous voyez un ressource contrôleur. Alors quand, je, quand on déclare un ressource contrôleur, ça va derrière nous générer un CRUD avec plusieurs routes qu'on peut... Ou ensuite, en, dans notre contrôleur, on va pour chaque route avoir une méthode et pouvoir implémenter quelque chose ici. Vous voyez aussi qu'on a une ressource dans Eloquent. Ça, ça va nous permettre de faire une transformation de données et de dire, euh, voilà, ce, cette ressource ou ce modèle Eloquent, quand je veux le requêter sur une API, je veux que ces champs. Et ça, c'est la manière qui est recommandée dans la documentation. Alors, je vous montre ça et vous allez me dire, mais du coup, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir API Platform On a déjà ça. Oui, mais API Platform, ça va plus loin que ça. C'est euh, des formats standards comme le JSON LD, Hydra, HAL, pas que standards, mais aussi qui sont hyper -médias. On va y revenir. C'est de la documentation automatique, par exemple avec OpenAPI. On a aussi un support de GraphQL, on a beaucoup, beaucoup de choses. C'est très portable, on a des fils, de la pagination, on a plusieurs systèmes de persistance, Elasticsearch, Doctrine, même Doctrine avec euh, MongoDB, et ça reste très extensible. Quand on parle d'API hypermédia, euh, on peut se le représenter qu'il y a beaucoup de liens qui se font entre les données. Alors ça peut être des liens en interne sur notre API, mais aussi des liens vers l'extérieur. Ici, vous voyez un exemple de JSON-LD où l'auteur, c'est un lien vers une ressource-auteur. Tout en bas, je vous ai mis aussi un petit en-tête-link qui va beaucoup nous servir dans API Platform. Celui-là, il permet de dire, ben, cette ressource, elle est documentée sur cet endpoint-là de mon API. Grâce à ce lien, avec API Platform, on a des outils comme ça. Donc là, c'est... Euh, un outil d'administration qui va lire votre documentation et automatiquement générer cette interface-là. Vous allez pouvoir avoir des filtres, des tris, vous allez pouvoir euh, avoir des formulaires dynamiques, etc. Tout ça, c'est basé sur React Admin et c'est complètement extensible. Avec API Platform, on a aussi un Client Generator, donc ça, on est assez fiers de ça. Ça va, pareil, lire votre documentation. Donc, c'est pas que compatible avec API Platform, ce que je vous raconte là, c'est compatible avec toutes les. Euh, API qui sont documentés, soit avec OpenAPI, soit avec euh, Hydra. Là ici, le client-générateur va pouvoir vous scaffolder des systèmes euh, front. Donc là, vous voyez un formulaire à gauche en React, à droite on a même du React Native. Ça supporte Next.js, ça supporte Vue.js, <coughs> tout un tas de frameworks. Et euh, même là récemment, il y a eu, euh, on peut générer des structures Rust depuis la documentation d'OpenAPI. Donc des outils très 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 puissant. Maintenant qu'on a vu pourquoi, comment est-ce qu'on peut brancher API Platform sur la Ravel? L'idée ce serait d'utiliser des composants d'API Platform et de les, de les brancher sur la Ravel. Nous on avait vraiment envie que ça continue d'être très magique, donc c'est-à-dire qu'on déclare une ressource sur un modèle et ça marche. Donc ça c'est vraiment l'objectif principal que je me suis fixé ici. On veut toujours que les utilisateurs de la Ravel puissent étendre et configurer API Platform. Et du coup, on va sûrement avoir besoin de créer un contrôleur API Platform. D'ailleurs, ça tombe bien, API Platform 3.2 est sorti. Et dans cette nouvelle version, j'ai réfactoré pas mal de code d'API de, Platform, avec dans le but premier de libérer API Platform du kernel HTTP de Symfony. Donc, là, en deux mots, comment API Platform s'est construit on a le kernel de Symfony et on va avoir des écouteurs d'événements à plusieurs étapes de la requête où on va se brancher pour gérer la négociation de contenu, euh, lire la donnée, l'écrire, la désérialiser, etc. Grâce à cette euh, pull request que vous voyez là, on, peut, euh, on a extrait cette logique dans ce qu'on va appeler des providers et des processeurs. Alors, un provider, c'est quoi C'est un des concepts phares d'API Platform. Un provider, comme vous, vous le voyez ici, c'est le moyen d'apporter l'état de votre ressource. Ici, quand on récupère un livre, on veut que le provider renvoie ce livre. Donc là, j'ai fait un new book avec l'identifiant de ce livre. Ensuite, ce provider, on peut le brancher dans notre ressource en utilisant juste dans l'attribut provider, où on spécifie la classe dans laquelle on a déclaré la manière de récupérer l'état. Ces providers-là, maintenant, dans API Platform 3.2, vous en avez plusieurs. Il y a le Content Negotiation Provider qui va gérer la négociation de contenu. Est-ce qu'on veut du HAL, du JSON API, JSON LD Access Checker pour la sécurité. Read Provider va récupérer la donnée dans Doctrine ou un autre système de base de données. Deserialize, si vous avez fait un post, va transformer la requête en JSON en objet PHP. Validate Provider pour la validation. On a la même chose au niveau du, des processeurs. Les processeurs, c'est là où on va euh, récupérer votre objet et en faire quelque chose, que ce soit l'envoyer par mail, le mettre dans une base de données, et ainsi de suite. Cette interface-là, de la même manière que le provider peut se brancher sur n'importe quelle opération d'API Platform (GET, POST, PUT) ou une API Ressource même. Dans API Platform 3.2, maintenant, on a aussi plusieurs processeurs. On a Write processor qui va persister la donnée ou la supprimer dans le cas d'un delete. Serialize pour vous afficher du JSON. Respond, il transforme euh, l'objet livre, par exemple, en réponse HTTP où le, le JSON il va le rajouter les entêtes, etc. add_link link pour ajouter des entêtes de liens et une mécanique de cache euh, pour ajouter des entêtes de cache. Tout ça, si on le met dans un contrôleur, ça nous donne ça. Donc là, c'est un peu simplifié. Mais on a notre contrôleur qui est appelé. D'abord, on va appeler la chaîne des providers, donc pour faire toute la résolution dont j'ai parlé tout à l'heure, puis on va renvoyer toute la chaîne des processeurs, jusqu'à en fait, obtenir une réponse HTTP. Ça, c'est vachement bien, parce que ça va me permettre de mettre API Platform dans n'importe quel quadrixiel qu'on veut. Il y a un autre truc qui est arrivé avec API Platform 3.2, c'est le subtree split. On a tous les composants d'API Platform qui sont maintenant disponibles en tant que paquets euh, indépendants. Donc là, si vous allez sur Packages, vous pouvez regarder, il y a vraiment tous les paquets d'API Platform disponibles. Ça m'a d'ailleurs permis de créer un petit Playground que vous, avez, euh, que vous pouvez ouvrir dans votre navigateur, API Platform Playground. Il n'y a rien à installer, vous pouvez tester API Platform dans, dans le navigateur. Bon. Maintenant qu'on a vu tout ça, c'est bien beau, API Platform est disponible sous forme de provider processor, on a un subtree split. Maintenant il faut mettre tout ça dans la Ravel. On va commencer par aller lire la documentation. Et dans la documentation de la Ravel, on retrouve dans les concepts d'architecture tout ce dont j'ai besoin. On a des notions de kernel HTTP, on a des notions d'injection de dépendance avec un service provider. On a de la middleware HTTP, on peut faire vraiment plein plein de choses. Un service provider dans la Ravel, ça ressemble à ça. Vous avez une fonction register qui est appelée au démarrage du, de votre application, ou lorsque vous exécutez le PHP. Et on va utiliser ici, nous, trois méthodes. Singleton, on va donner la classe et un callback, dans lequel on va mettre l'instance qu'on veut déclarer dans ce singleton. Pour récupérer une dépendance, on va utiliser make. Donc APP que vous voyez là, ou application, c'est le conteneur, le conteneur de service. Et la dernière méthode que j'ai beaucoup utilisée, c'est bind, qui va me permettre de dire que pour une interface donnée, on va injecter tel singleton, par exemple si vous le mettez dans un constructeur. Vous avez ici la déclaration de tous les services qu'API Platform a besoin pour fonctionner avec la plupart de ses fonctionnalités. On voit que j'ai utilisé principalement singleton, bind et make, et on voit aussi d'autres petites choses. Il y a des tags, donc il y a la possibilité de taguer des services, et aussi on voit que on peut utiliser config. Donc là, vous voyez que j'ai utilisé config pour récupérer le titre, la description, la version de votre API. Et ça, j'ai trouvé ça bien, bien pratique. Continue. Pour, la, pour cette configuration, justement. Vous avez juste à euh, dans la fonction boot, donc là c'est toujours dans le provider, on peut publier le fichier de configuration à l'installation. Là c'est très bien, vous avez juste un tableau PHP dans un fichier et puis euh, ça c'est mis sur les, euh, les projets des utilisateurs lorsqu'on exécute artisan vendor publish. Donc ça j'ai vraiment trouvé ça très très sympa et très accessible. Pour la suite, j'ai dû brancher le, euh, donc le système de persistance qui ici est Eloquent. Pour faire ça, j'ai de nouveau créé un provider. Et je lui ai dit, bah, tiens, quand on va récupérer euh, mon livre ici, on va faire this application make la classe livre, find avec les variables. Donc les URI variables, c'est toutes les variables que vous avez dans votre URL. Hein, euh, enfin, là sûrement un. Et je récupère le premier. Pareil, là je vous ai mis un exemple de la persistance. Donc, je sais que data c'est un modèle éloquent, on va voir tout de suite comment j'ai fait, et je fais Save or Fail, et puis Data Refresh et je renvoie Data. Ah ouais d'ailleurs, euh, tout ça je le mets dans un contrôleur, le API Platform Controller. Là vous voyez que j'ai réutilisé les concepts provider et processor. Et ensuite je dois brancher tout ça. Donc comment on fait Dès qu'on détecte un API ressource sur un modèle, on a dans un pays plateforme ce qu'on appelle un système de métadonnées. Dans le système de métadonnées, ça nous donne toutes les classes et toutes les opérations. Pour chaque opération, je suis venu déclarer une route, euh, la Ravel, et je vais brancher le contrôleur que vous venez de voir. Donc, euh, avec ce système de métadonnées, effectivement, on doit enregistrer les routes dans la Ravel. Il nous reste bien sûr le Error Handler, vous l'avez vu un petit peu au début. Et on peut détecter aussi est-ce que la ressource qui est déclarée est un modèle Eloquent. Dans ce cas-là, on va automatiquement lui dire, bah, si tu n'as pas encore déclaré de provider, récupère le provider automatique d'API Platform. Bien entendu, en plus de ça, j'ai mis Swagger UI pour vous faire la petite démo de tout à l'heure. Swagger UI qui est bien apprécié de nos développeurs pour euh, regarder une documentation OpenAPI, pour la visualiser en tout cas. Et une fois qu'on a fait tout ça, PHP Artisan route list. Artisan c'est un peu comme notre dans, dans le monde Symfony, le binaire Symfony. Et on voit qu'on a la liste des routes qui sont déclarées automatiquement. Vous voyez aussi qu'on a d'autres routes, hein, context, docs, errors. Ça, ça va être pour les systèmes internes d'API Platform, pour surtout l'autodiscoverabilité de votre API. Alors malgré tout ça, il reste quand même beaucoup, beaucoup de travail à faire. On n'a pas encore implémenté la pagination et les filtres. GraphQL, on va le rajouter aussi, mais là, c'est juste euh, rajouter et brancher quelques services. Ça va fonctionner. Je me suis dit que pour la communauté Laravel, ce serait intéressant de brancher les providers et processeurs que je vous ai montrés en tant que middleware HTTP que, que, que les développeurs pourraient brancher directement sur leur contrôleur. Et il nous reste aussi la validation à faire et la sécurité. Peut-être encore d'autres choses dont j'ai oublié. Que j'ai oublié de mettre sur cette slide. Alors, euh, j'avais envie de vous faire aussi un retour de mon utilisation de la Ravel. Ça faisait un moment que je n'en avais pas fait. J'ai bien apprécié le fait qu'on qu ne soit pas obligé d'utiliser les sucres syntaxiques et qu'on puisse faire de l'injection de dépendance. Que, en fait, il y a souvent des alternatives pour faire la même, la même chose. Ça, c'est cool. Euh, on a des fois un doute avec la Ravel, on se dit oui, le conteneur, je sais qu'il y a eu des débats, conteneur performance, c'est pas vraiment important, parce que déjà, euh, avec la Ravel, par exemple, vous avez la Ravel Octane, qui va en fait lancer votre kernel, le garder en mémoire, et puis du coup, bah, ça, ça change changera rien. Maintenant, il <coughs> y a beaucoup beaucoup de fonctionnalités, donc on peut faire absolument tout ce qu'on a besoin, et c'est très très bien la Ravel quand vous voulez aller assez vite euh, euh, dans vos développements. C'est super bien documenté, vraiment la documentation est, est vraiment superbe. Et avec Eloquent, il n'y a pas de propriété, donc il faut s'adapter un petit peu, et on doit trouver d'autres mécanismes qui sont peut-être un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir avec Doctrine. D'ailleurs, euh, une question qu'on peut se poser là, dans ce que vous avez vu, donc là sur Laravel API Platform, vous avez bien les propriétés qui sont mappées avec les bons types dans des schémas JSON, par exemple, sur votre documentation. Alors pour faire ça, je me suis basé sur la commande là, Artisan Model Showbook, qui va venir me lister les propriétés. J'ai pris le code, j'ai copié-collé, ça fonctionne. On... Je peut-être revenir là dessus euh, Pour l'instant, il faut se dire que c'est plutôt un prototype qui fonctionne, hein, mais qu'on voudrait mettre des mécanismes en place un peu plus évolués pour pouvoir vraiment configurer API Platform comme on le fait. Euh, ou comme on, on le fait aujourd'hui avec Symfony. Donc, on a plein d'idées. Euh, je, enfin, je vais rejoindre le Discord de Laravel. J'ai discuté avec quelques personnes qui font du Laravel pour euh, vraiment euh, leur proposer des manières de faire et voir quels sont leurs retours aussi par rapport à ça. Comment j'essaye Parce que oui, vous avez peut-être envie d'essayer. Alors là, il y a une pull request qui est ouverte sur API Platform avec euh, le code que j'ai présenté ici. Et dans ce, dans ce code, enfin sur cette PR, il y a la liste des étapes à faire pour l'installer. Aujourd'hui, je ne l'ai pas encore publié, c'est sur un fork à moi, mais ça s'installe en remplaçant quelques paquets dans Composer. Avec API Platform, aujourd'hui, avec la 3.2, normalement, la version 2.7, elle est tombée en end of life, donc elle ne devrait plus être utilisée on a lancé un crowdfunding pour pouvoir financer une version long-term stable d'API Platform. Donc si ça vous intéresse ou si vous pensez à des gens qui pourraient être intéressés par ça, n'hésitez pas à aller voir sur Open Collective pour nous aider à financer API Platform. Je voulais aussi annoncer ici que, du coup j'ai parlé de la Ravel Octane tout à l'heure, on, on, on est en train d'ajouter le support, enfin c'est fait, il ne manque plus que l'APR à faire, de FrankenPHP sur Octane, on est euh, partenaire officiel de Laravel chez Letiels.com. il euh, y a peu de gens qui le savent, mais c'est aussi il euh, y a aussi des experts Laravel chez Letiels. Du coup, on est complètement en mesure de vous accompagner sur ce genre de projet. Et bien entendu, euh, on a maintenant un pays plateforme avec Laravel qui arrive. Je ne peux pas vous donner de date précise. Hein, ça reste, ça reste euh, à voir euh, comment. Euh, Comment on l'utilise, qu'est-ce qu'on met en place avant vraiment de le publier. Il faudrait faire des code reviews aussi. Sur ce, euh, je vous remercie pour votre attention. Je pense que j'ai une petite dizaine de minutes pour des questions, mais j'ai un train à 17h. Du coup, euh, voilà. Bon, on va peut-être euh, un moment euh, couper court euh, aux questions. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Super, merci pour la présentation. Alors moi, de mon côté, j'ai déjà pas mal utilisé la Ravel sur des projets aussi. Et là, pour l'instant, dans la démo, il y a une seule ressource. Bon, je ne reviens pas sur les histoires de performance du conteneur, mais c'est est-ce euh, que dans l'avenir, vous imaginez une solution différente pour pouvoir intégrer les routes? Euh, à la volée, en fait, quand tu auras, j'en sais rien, 10, 50 ressources différentes sur le projet. Quoi. Bon, non, je ne pense pas. Alors, euh, il faut savoir que le... j'en ai un peu parlé, mais dans API Platform, on a un système de métadonnées où on va collecter vraiment toutes les informations sur vos ressources. Ça, nous, ce sera mis en cache, c'est sûr. C'est toujours mis en cache. Après, pour la déclaration de route... Euh, J'imagine que c'est dans le dans le conteneur que c'est émis, et du coup si le conteneur est gardé en mémoire avec les nouvelles choses qui arrivent comme euh, FrankenPHP, il y aura il y aura peu d'impact en fait. Donc euh, je pense que ce sera entièrement viable, il n'y aura pas de souci. Bonjour. Bonjour. Euh, par rapport, si euh, on souhaite migrer notre euh, API d'un Symfony à la Laravel, euh, à combien il est estimé euh, le le temps de développement pour pour cette migration avec euh, cette compatibilité Bah, ça dépend de beaucoup oui. beaucoup beaucoup de choses. Est-ce que tu utilises Doctrine Est-ce que tu utilises euh, un système de persistance à toi bah, je, je, Moi, je pense que là, euh, avec ce qu'on a fait, on pourrait même brancher Doctrine sur un API plateforme Laravel. Ça va fonctionner, par exemple. Donc, euh, en fait, c'est juste euh, copier-coller les fichiers sources. Et... Alors là, il y a clairement, il manque des fonctionnalités. Hein, les... J'ai pas testé de faire des relations entre les ressources. Pour info, j'ai commencé à coder ça quand le sujet a été accepté, donc c'est assez récent, on va dire. Donc là, tout de suite, je te déconseille de le faire. Maintenant, dans un an, ce sera, ce sera entièrement faisable. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à faire ça Je sais pas. Si ton projet marche déjà, gardez ce qui marche, s'il vous plaît. Refaites pas les trucs qui marchent. Il y a une question devant. Merci. Merci pour la presse. Euh, oui, ce serait pour savoir, la séparation de API Platform, en hein, tout un tas de composants, c'est mmh. quelque chose qui était prévu à la base, on va dire, dans la roadmap d'API Platform, ou c'était vraiment quelque chose pour euh, éprouver, euh, euh, on va dire un peu pour rendre compatible Ravel et éprouver tout ça Ou alors c'était aussi la possibilité de faire un Symfony API Platform sans, par exemple, la partie Hydra Oui, complètement. En gros, depuis qu'on a, enfin, depuis que je travaille sur... Euh donc, depuis que PHP 8 est arrivé avec les nouveaux attributs et qu'on a voulu vraiment retravailler la DX d'API Platform, on savait déjà à ce moment-là qu'on voulait faire un subtree split. Mais on ne pouvait pas tant qu'on n'avait pas clarifié certaines choses dans notre code, où était quoi, etc. Donc, euh, depuis déjà pratiquement un an, enfin, depuis que la version 3 est sortie, on a déjà des composants qui étaient dispo en, 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 en subtree split, notamment le composant OpenAPI. Et euh, là, c'était juste que euh, en fait, dans, ça fait plusieurs, enfin ça fait même un an qu'on travaille à en migrer petit à petit des composants. Mais c'est un travail très 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 difficile parce que si, euh, quand je bouge des classes, d'ailleurs euh, j'ai cassé des interfaces là récemment, mais quand on bouge des classes, il y a des mécaniques à faire dans PHP et PHP ne nous aide pas vraiment à pouvoir euh, bah, déplacer une classe, dire celle-là est déprécier et tout, faut faire des bidouilles dans tous les sens. Donc c'est un travail très très dur qui est très très long. Et du coup, c'est pour ça que là, ça, ça arrive petit à petit, mais qu'on n'a pas tout fait d'un coup. Et dans tous les cas, c'était le but que vous pouviez, par exemple, utiliser un Symfony avec juste le serializer JSON-LD, mais vos contrôleurs à vous, ou alors que vous vouliez euh, le support de GraphQL euh, sans le reste, etc. etc. Donc euh, clairement, ça n'a rien à voir avec la Ravel, il s'avère que ça nous aide pour faire ça, donc euh, c'est tant mieux. Euh, salut et merci beaucoup pour la presse très intéressante. Euh, au niveau du processus décisionnel de se dire euh, déjà assez général sur API plateforme le, le, la décision architecturale un peu euh, le moment où vous choisissez justement de splitter de faire une nouvelle version etc. Et là plus précisément sur la partie de la Ravel comment se passe ce processus décisionnaire euh, euh, c'est l'idée de quelqu'un qui est approuvé par d'autres euh, en étant lit le dessus euh, le poids que tu vas avoir en disant je veux partir là-dessus etc. Un petit peu le Contexte décisionnel autour de tout ça Ouais, alors euh, en fait, je pense que le contexte décisionnel chez nous, il est beaucoup apporté par les retours qu'on a de la communauté. C'est-à-dire qu'on a bien vu que notre travail sur les attributs, il était vraiment très, très apprécié. Donc on veut aller toujours dans ce sens-là. Et du coup, c'est pareil pour toutes ces choses-là. Nous, on sait très bien que dans la Ravel, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'utilisateurs de la Ravel. Enfin, C'est un, un des frameworks les plus utilisés au monde. Et du coup, on trouvait ça dommage qu'ils ne puissent pas bénéficier de nos outils aussi. Et donc, ça, ça depuis le début, API Platform, au début, c'était un bundle Symfony, mais parce qu'on réutilise des composants de Symfony, comme le fait d'ailleurs la Ravel, hein, Il y a des composants de Symfony dedans. Et nous, l'objectif, c'était vraiment d'apporter ces standards au plus grand nombre et ensuite de pouvoir faire en sorte qu'on puisse l'utiliser partout dans tous vos projets PHP. On, on, on réfléchit même des fois à se dire, bah tiens, est-ce qu'on ne ferait pas des API plateformes dans d'autres langages Parce qu'aujourd'hui, il y, y a vraiment très, il très, y a peut-être un framework en Java qui est assez proche de ce qu'on fait nous avec API Platform, mais dans le reste des écosystèmes des langages, il y a peu de choses où il y a autant de fonctionnalités. Et autant de fonctionnalités, euh, enfin nous, on le voit, API Platform c'est énormément utilisé et ça marche. Quoi. Donc, euh, donc voilà, je pense que le contexte décisionnel est plus porté à ça. Maintenant, on est plusieurs de l'accord team chez l'étiole, ça nous simplifie aussi les discussions, etc. On a des ADR, on essaye d'en faire des architectures decision records qui vont nous aider à façonner notre pensée. Genre vraiment, le travail que vous voyez là, c'est un aboutissement d'au moins deux ou trois ans de travail et d'échanges et de réflexions et de je code un truc, mais en fait je code un autre truc et je code un autre truc jusqu'à ce qu'on soit nous-mêmes satisfaits. On le propose et on espère que ça plaît. J'espère que je réponds à la question. C'est un peu... Merci beaucoup Antoine. Merci.